Greta Thunberg a mis le cap sur New York City. La jeune égérie de la lutte contre le réchauffement climatique a quitté ce mercredi le port de Plymouth en Angleterre. Elle traverse l'Atlantique pour rejoindre le sommet mondial de l'ONU début septembre, une traversée zéro carbone qui trouve malgré tout ses détracteurs. Bien sûr, ça va être difficile pour tout le monde sur le bateau. Il faut s'y attendre. Il y a toujours des gens qui ne voudront pas comprendre ou accepter la science unifiée. Je continuerai à les ignorer parce que je ne fais qu'agir et communiquer sur la science. Si ça ne leur plaît pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Greta Thunberg avait été critiquée car son bateau Malitia 2 est sponsorisé par des entreprises comme BMW. Le bateau de course skippé par Pierre Casiraghi, le neveu du prince Albert, participe régulièrement au Vendée Globe. Tous les logos publicitaires ont été retirés.